à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica, Thibaut, Manon et Julien. Cela fait plusieurs mois que l'on n'a plus vu les deux couples des Marseillais ensemble. Pourtant, ils habitent tous à quelques minutes les uns des autres à Dubaï. Dernièrement, on voyait beaucoup Jessica et Thibaut avec Laura et Nicolas, qui eux sont en dispute avec Manon et Julien. Les internautes en avaient alors déduit que les Garcia avaient choisi leur camp, à savoir les Lozina. Depuis, les rumeurs affirmaient que les Tantis seraient également en froid avec Jessica et Thibaut. Mais hier, les deux couples se sont retrouvés au parc aquatique et ont passé toute la journée ensemble. Alors, se sont-ils réconciliés après des semaines de froid ou étaient-ils simplement toujours en contact? Jessica en dit plus et explique pourquoi ils ne se sont quasiment pas filmés ensemble. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Loulou, Wood et Camia qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end des enfants. Au planning, on va aller normalement, enfin pas normalement, on va à un parc aquatique avec ce bon vieux Pouls qui va pouvoir s'amuser maintenant vraiment avec les toboggans, etc. On y va avec les parents, ils sont arrivés il y a deux jours. Il fait très beau dehors, trop cool. Quoi d'autre? On n'est plus en dispute. Bon, ça a duré deux minutes. Avant, nos disputes étaient durées plus longtemps. Maintenant, j'ai compris comment il faut faire. Je réponds plus. Et après, c'est bon, ça passe. Bon, en tout cas, bon week-end à tout le monde. On est clairement en train de se la régaler là. Mylon, qu'est-ce que tu as fait un peu de beau? On a fait de la bouée, on a fait tous les toboggans, comme les grands. C'était comment? C'était comme ça? Comme ça? Ouais, c'était comme ça. Et maintenant, mange les biscuits. Non, moi. Ah, toi. Et papa, il a le droit? J'ai le droit de manger un petit biscuit, moi? Non? Non. Ah, ok. C'est gentil, ça, Mylon. Bienvenue, Thiago, vous êtes où cet après-midi? Vous êtes où? À Tantis. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui, mais c'est ton transat, d'accord. Mais là, faut kiffer, là. Il faut kiffer! Attendez, je vous explique rapide là, ce qui m'est arrivé. J'arrive à l'Atlantis. Donc, déjà pour acheter tes passes, il te faut 20 minutes. Tu as compris, il te faut 20 minutes. J'arrive, je suis assoiffé. Donc là, les enfants ils partent, ils vont faire des manèges à la. Moi je dis vas-y, je me dévoue, je pars acheter à boire. Il me faut encore 20 minutes pour acheter à boire. Ça veut dire que ça fait bientôt une heure que je suis à l'Atlantis. J'ai rien fait. J'ai acheté mon pass et j'ai acheté à boire. Le bird. Voilà, on était là aujourd'hui à Atlantis avec les fratés. On s'est régalé, biscuits plein. Là, les enfants. Il est quand même bien ce parc, ça nous prend là. Léger pour le goût. Mon fils, il regarde les poissons, ça lui plaît. Trop beau. Coucou. Alors, je vous explique, on a passé la journée au waterpark. Après, il y a Julien et Manon qui nous ont rejoints. J'ai pas fait de story parce qu'on s'est trop éclaté. J'ai posé mon téléphone et on s'est trop régalé. C'était trop bien. Mylon, il a trop kiffé. Les grands-parents aussi. Mon père, il a fait les bouées. Trop bien. Voilà. On y va, mon amour? Non, on va d'abord au collège. Quoi? Bon, mes amours, on a passé une trop bonne journée à l'Atlantis. Oui, oui, les brassards. Assieds-toi, c'est dangereux. Sit. Oh, merci. Et Bubu, elle a fait pour la première fois les bouées avec nous tous. Donc, il y avait Thiago avec son papa, Mylon avec Thibaut, Jess. Et elle n'a pas eu peur. Hein? Elle n'a pas eu peur, alors franchement, c'est assez rapide, quoi. Et on se mange des vagues et tout. Mais elle était courageuse. Big girl. Hein, mon amour? C'est quoi ces nouvelles chaussures? Montre-moi. Waouh! Qui les a choisies? C'est moi. Tu peux pas se casser, Thiago, vas-y. Fais-moi confiance, j'en suis sûre.
Allez, go, go, go! Eh oh! Non, non, Angelina, t'es trop petite. Non, it's too dangerous. Go there if you want. Vas-y, maman, récupère-la en bas du toboggan. Demain, c'est journée adulte, aujourd'hui, c'est journée enfant. Demain, c'est quoi? Journée adulte. Attention, je peux être enroulé. J'ai beaucoup de messages pourquoi je n'ai pas snappé Julien et Manon. Ben, en fait, tout simplement parce que j'ai rien snappé. J'ai même pas snappé ma journée. J'ai même pas snappé mon fils. Je vous ai rien partagé. Voilà, clairement, autant quand on est dans un parc et tout, c'est facile. Autant quand on est dans l'eau toute la journée, les mains trempées et tout, j'ai pas snappé. Et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la fermeture, je vais profiter des toboggans comme une gamine parce qu'on a fait vraiment le côté des enfants. Et après, j'ai laissé Mylon avec ma mère et avec Julien, mon père et mon mari, on a foncé pour essayer de faire les grands toboggans qu'on pouvait pas faire avec Mylon. Voilà, donc jusqu'à la fermeture du parc, j'avais pas mon téléphone, je courais partout comme une grosse gamine. D'ailleurs, je n'ai de froid avec personne parce que souvent on me vend des froids, genre un coup c'est Maëva, un coup c'est Manon Ju, un coup c'est. Bref, je n'ai de froid avec personne, c'est juste que, ni avec Théo et Steph d'ailleurs, ou avec Benji et Maddy, on a tous nos vies quoi. Normalement c'était facile, parce qu'avant notre seul problème c'était, bon les gars, on a 20 ans, qu'est-ce qu'on fout ce week-end, dans quelle boîte de nuit on sort et on va faire la fête. Maintenant on a tous des vies de parents, on a tous, voilà, Stéphanie elle a un nourrisson, enfin un bébé. J'ai mes enfants, Julien et Manon, ils ont leurs enfants aussi, mon fils il va à la crèche, Thiago il va à l'école, Nico, Laura, ben, pour l'instant il va pas à la crèche, il va pas à l'école, enfin voilà, on a tous des vies différentes, les jumelles elles sont célibataires, elles sortent, elles s'éclatent, Maëva pareil, elle est célibataire, elle fait ses trucs, enfin voilà, c'est pas parce qu'on voit pas des gens qu'on est en froid, pas du tout. On fait chacun notre vie en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai qu'on a vieilli. Hein. Ah ben c'est plus pareil là. Hein. Eh ouais. Mon père il a fait les toboggans, les trucs qui partaient en l'air et tout. Bah ben, ouais, t'as soif.